Le Grenelle des violences conjugales a été lancé cette semaine par le gouvernement. Objectif, proposer des mesures concrètes pour venir en aide à ces victimes. Et à Bordeaux, une cellule spéciale pour les accueillir a été mise en place au commissariat il y a quelques mois. Maintenant, on va en parler avec nos deux invités. Lydie Delmas, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc présidente de la Maison des Femmes. Et Eric Krust, vous êtes le chef d'état-major de la police nationale en Gironde. Bonsoir. bonsoir. Merci à tous les deux d'être avec nous. On va peut-être parler un peu de cette euh, cette cellule qui a été mise en place au commissariat alors pourquoi avoir euh, décidé de la mettre en place euh, pourquoi avoir décidé d'avoir ce type de dispositif spécifique pour prendre en charge euh, les femmes victimes de alors c'est cette unité qu'on appelle le, le pôle psychosocial c'est un terme un peu un peu technique et d'abord l'héritier de ce qu'on appelait le bureau des deux victimes qui existe depuis un certain nombre d'années mais auquel on a donné un souffle et un professionnalisme nouveau donc qui est composé de trois personnes l'officier de police que vous avez eu l'occasion d'interviewer tout ouais, à l'heure en dans début de votre reportage, reportage. Oui. reportage mais également et surtout deux personnes de profession qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un commissariat de police, police pardon une psychologue d'une part et un, une assistante sociale, qu'on appelle intervenante sociale. Donc, ce trio euh, qui compose le, le, le pôle psychosocial, cet ancien bureau des deux victimes, va avoir plusieurs rôles absolument fondamentaux. Mmh. D'une part, d'abord et avant tout, vis-à-vis -vis de la victime, on le sait dans un contexte de violence conjugale, on accueille des victimes dans une position de détresse voire de terreur souvent, mmh. qui, qui les rend extrêmement fébriles et les rend, comment dire, qui rend difficile l'idée même de déposer plainte. Donc, oui. on va les accompagner pour leur expliquer ce que c'est que cette plainte, sur quoi elle va déboucher et comment on va les accompagner tout au long de l'enquête. Enquête qui souvent est quelque chose qui leur paraît désincarné, euh, très froid, sans empathie, ce qui n'est pas forcément faux, mais c'est l'enquête. On va devoir établir la vérité. Une vérité exige une certaine impartialité. Mais en parallèle, ce pôle psychosocial va aider cette victime à supporter ce temps d'enquête en l'aidant également vis-à-vis d'un certain nombre de services sociaux et par le biais des, des associations ouais. spécialisées dans l'aide aux victimes. Alors justement, pour vous, Lydie Delmas, vous êtes, un, on le rappelle, présidente de la Maison des femmes. C'est une bonne chose, cette initiative Est-ce que ça aide justement le travail des, des associations On imagine que c'est une première étape dans la prise en charge des victimes Alors ce qu'il y a d'absolument certain, c'est que depuis qu'il y a eu un référent violence conjugale au commissariat de police de Bordeaux, le travail a énormément changé de façon extrêmement intéressante. Oui. C'est-à-dire que nous avons par définition quelqu'un à qui on peut se référer. Donc si jamais une femme est venue et a été reçue dans une modalité d'accueil totalement insuffisante, on, peut, on pouvait l'appeler. On peut à ce moment-là revoir la situation, revoir l'accueil avec la femme, leur expliquer les choses. Bref, on peut lui faire refaire un parcours qui est plus respectueux. Et donc au fil des années, c'est vrai qu'il y a un véritable travail conjoint qui s'est mis en place entre les associations et à Bordeaux hein. et mmh. puis la cellule du commissariat de police. C'est il n'en reste pas moins vrai que parfois, selon les personnes qui sont à l'accueil, ça peut être un petit peu difficile. Donc ça rejoint toujours la question, on y reviendra, de la formation des professionnels dans Bien tous sûr, les ouais. secteurs concernés. Voilà mais ce qui est important à dire c'est que nous avons ce travail à Bordeaux mais que selon le secteur dans lequel on se trouve le travail avec la police ou la gendarmerie peut être d'une nature beaucoup plus difficile beaucoup plus complexe oui. voilà et que voilà tout dépend un petit peu de ce qui a été mis en place des liens qui se sont faits avec les associations et puis des formations que les professionnels ont eu ou pas l'occasion de faire. On l'a dit hein, et on en parle beaucoup euh, dans les médias euh, depuis le début de la semaine, ce Grenelle des violences conjugales. Euh, en tant qu'association, vous, vous côtoyez au quotidien des, des victimes. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ce Grenelle euh, On voit ce genre de mesures qui font avancer les choses. Concrètement, c'est des mesures euh, dans ce style qu'il faut que le gouvernement euh, mette en place Oh, les mesures doivent être d'ordre extrêmement divers. Euh, si on part du parcours d'une du, femme en situation de violence conjugale, pas, on ne dit pas femme battue parce que ce n'est pas un statut de femme oui. en situation de violence conjugale. Euh, D'abord, on a besoin qu'elle soit crue, entendue mmh. et crue. Donc, ça revient euh, au travail dont nous venons de parler. Euh, il faut ensuite que sa plainte soit reçue, mais qu'elle soit traitée. Puis un grand nombre de plaintes aujourd'hui sont classées sans suite, donc nous demandons à ce que aucune plainte reste sans réponse. Mmh, il faut une première ensuite, revendication. Oui, absolument, notamment de la Fédération nationale Solidarité femmes dont nous, dont nous faisons partie. Il faut également que dans ce parcours, très rapidement, puisse être évaluée la situation de danger. En ça, il y a une proposition qui est faite dans le Grenelle qui pourra peut-être être intéressante. Il faut ensuite que rapidement oui. les enfants, surtout si on est en situation de séparation du couple, mmh. qui est une des périodes les plus dangereuses pour la femme, période de grossesse et période de séparation, parce que là, euh, l'homme se rend compte qu'il ne va plus avoir d'emprise, il va plus la, la posséder comme il souhaite le faire. Mmh. Il faut que dans ce moment-là, lorsque la décision est prise par le, par le juge de décision vis-à-vis -vis des enfants, il faut arrêter de considérer qu'un père qui bat son épouse peut être un bon père il faut que cette situation de violence conjugale soit prise en compte et que l'enfant le, ne soit pas systématiquement considéré comme pouvant être euh, logé chez le père on va on va en parler en hein, plus en détail avec nous euh, Lydie Delmas parce que vous allez rester avec nous pour euh, nous expliquer euh, vraiment votre rôle justement dans cette prise en charge une petite euh, question peut-être euh, Eric Krust on entend beaucoup justement d'histoires où euh, les policiers euh, n'aurait pas accepté d'intervenir ou en tout cas où euh, la plainte ou même l'intervention euh, ne s'est pas faite. Euh, comment, comment vous l'expliquez aujourd'hui C'est un, un problème de formation Alors. Il y a toujours un enjeu de formation extrêmement fort, sur lequel on a fait quand même des progrès incommensurables depuis une dizaine d'années, mais c'est un sujet où on doit systématiquement revenir, d'une part parce qu'on a un turnover de personnel important, d'autre part parce que les questions évoluent, la manière de les traiter évolue. Il y a un certain nombre de dysfonctionnements que l'on traite par le biais de, des associations qui nous les révèlent et qui nous permettent de faire en quelque sorte une reprise de, du dossier et de reprendre en compte la, la victime dans les meilleures conditions possibles, mais également d'entendre un certain nombre d'autres acteurs. On parle du 39-19, mais on parle aussi de la toute récente plateforme nationale de signalement des violences sexuelles et sexistes qui nous saisit à peu près d'un dossier en moyenne toutes les semaines et qui va nous permettre de faire un travail sur mesure vis-à-vis du victimes qui sont dans une détresse telle qu'elles n'ont pas envisagé de venir de prime abord tout de, suite, tout de suite chez nous. Vous, les femmes que vous recevez euh, rapidement, euh, souvent elles vous disent qu'elles n'ont pas été entendues ou qu'elles qu n'ont pas réussi à porter plainte, c'est quelque chose qui revient non, euh, nous, nous les voyons... C'est la première écoute. Nous sommes le premier lieu, en général, vers lequel ah, elle se dirige. Donc, euh... c'est... Voilà, le, le, le processus avec les professionnels de la police ou de la gendarmerie, selon où on se trouve, va se faire dans un petit temps après. Mais euh, ce que vous dites me fait euh, dire que, quand je disais tout à l'heure, les attentes que nous avons sont très larges. Oui. C'est qu'il y a le parcours de la, de la personne concernée, mais au-delà... Il y a la question de pourquoi ces violences conjugales mmh. et les violences envers les femmes en général. Donc ça hein. veut dire Donc ça veut dire qu'il y a besoin d'avoir des actions absolument concrètes, d'éducation, de, de pédagogie, de formation, mais également la traiter la question de la violence. Partout, y compris par exemple sur le lieu du travail. Et la violence sexiste et sexuelle au sein du travail n'est pas aujourd'hui euh, parmi les propositions faites par le Grenelle. Et des, des propositions avaient été faites par des organisations syndicales qui n'ont pas été retenues, n'ont pas été conviées d'ailleurs. C'est une dimension qui manque parce que c'est l'ensemble des tous les lieux de vie oui. dans lesquels ce, ce, ont lieu des violences envers les femmes qui doivent être pris en compte. Et c'est pour ça que si on prend toutes les actions, le coût est forcément à poser. Juste une dernière question, Eric krust Est-ce que vous voyez une augmentation de ce nombre de, de, de plaintes des femmes victimes de violences Est-ce qu'on a l'impression qu'elles viennent plus facilement porter plainte aujourd'hui oui. C'est ce qu'on espère, voilà, favoriser la libération de la parole. Après, on est très détaché par rapport aux données statistiques mmh. dont on sait qu'elles ne reflètent absolument pas la, la réalité de ce drame que sont les, les violences conjugales. Donc on, notre travail à nous, c'est d'essayer au maximum de travailler en réseau. Je pense qu'on ne peut plus travailler autrement, euh, que ce soit les associations, et exporter nos expertises hors les murs du commissariat. Vous aviez parlé du projet de la maison d'Ella dans votre reportage. Mmh. Nous sommes partie prenante avec notre assistante sociale et notre psychologue dans ce projet depuis mars dernier. Merci beaucoup, merci à vous deux d'avoir accepté de venir témoigner sur ce plateau. Lydie Delmas, vous restez avec nous dans notre prochain journal. On va parler en détail des actions de la Maison des femmes pour lutter contre les violences conjugales. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.